Bonjour à tous, c'est Magique Pascal. À la recherche de nouveaux tours, cette fois-ci je me suis penché sur un nouveau tour de magie de Anthony Stan. Il s'appelle Vision Deck. À ce sujet, je consacrerai plusieurs vidéos à ce tour de magie car il possède plusieurs possibilités. Il est très facile à faire, la seule chose que vous avez à travailler, c'est la présentation. Passons tout de suite à la démonstration. Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Vous allez bien ? Brigitte. Oui, Pascal. Cette fois-ci, on va faire quelque chose de spécial. D'abord, je vais te raconter une histoire qui s'est passée fort longtemps. Merci. Tu sais que je suis passionné d'ésotérisme et ça, depuis fort longtemps. J'avoue. J'ai rencontré une voyante qui lisait dans les cartes comme dans un livre ouvert. Ah. Un truc de malade. Alors, moi, passionné de cet art, je lui ai demandé de m'apprendre toutes les facettes. D'accord. Elle a bien voulu. Et d'ailleurs, à ce sujet, elle m'a montré quelque chose de très spécial. C'est comment lire dans les pensées. Mmh. Alors, c'est difficile d'ailleurs. Alors je vais te dire oui. Je vais te dire tout de suite, c'est truffé d'interférences. C'est-à-dire que c'est pas une science exacte. Ah ben ça, oui, je D'accord. sais. D'accord. Et j'aimerais avec toi aujourd'hui, oui, pour la première fois, faire une expérience. Ah. Alors, une expérience très simple, hein. Attention, hein. C'est juste penser à une carte. Ça, je peux le faire. Alors, un jeu de cartes. Mm-hmm. Donc, tu connais des cartes à points, des figures. Je te montre, regarde, mm-hmm, qui sont bien toutes différentes. Pas de soucis. Pas de soucis. Dans un instant, je vais te demander de mémoriser une de ces cartes. Mm-hmm. D'accord. Mais avant tout, j'aimerais que tu fasses le vide dans ton esprit. C'est fait ? C'est fait. Voilà. Je vais me retourner. Oui. Et toi, tu vas juste mémoriser une carte. D'accord. D'accord ? Oui. C'est parti. Ça y est ? Ça y est. Très bien. Maintenant que le protocole est établi avec Brigitte, oui, je vais te demander simplement de te rappeler cette carte, de la mémoriser et de m'envoyer mentalement la couleur de cette carte. Vas-y, maintenant. Je dis la couleur ? Mentalement. Oui. Rouge. Oui, c'est ça. Concentre-toi. Maintenant, j'aimerais que tu penses, enfin, que tu visualises les formes de cette couleur. Les formes de cette couleur rouge. Beaucoup d'arrondis, je vois. Je vois beaucoup d'arrondis et je suis presque sûr que c'est du cœur que tu as choisi. Oui, je suis c'est vrai? Je t'assure. J'ai une idée. Ne me dis plus rien. J'ai une idée. Je suis presque sûr. Enfin, pas totalement, mais je suis presque sûr que le choix que j'ai fait là, maintenant, oui, c'est ta carte. Non. Pour la première fois, veux-tu nommer ta carte à tout le monde ? Oui, c'était le 2 de cœur. Le 2 de cœur ? Oui, le 2 de cœur. T'es sûr ? Oui. J'atteste, hein, c'est ce que j'ai choisi. Hein. Les jeux sont faits. Révélons la carte, le 2 de cœur. Oh, punaise. Le 2 de cœur. Franchement, c'est bluffant. Je ne m'y attendais pas. Une partie des possibilités de ce jeu. Une partie des possibilités. Mais j'ai pas terminé. Ah bon ? Tu aurais pu choisir n'importe quelle autre carte. Tu es d'accord avec moi ? J'avais le choix. T'avais le choix, t'avais des cartes à points, des cartes figures, des cartes noires, des cartes rouges, bref. Oui, il y avait 52 possibilités. Bien sûr. Tu es tombé sur le 2 de cœur. Peut-être que tu adores le cœur ? Non, non, c'est parce que tu m'as demandé de mémoriser une carte. Figure-toi que cette carte, parmi celle du jeu, oui, a une particularité très précise, très, ah ouais, ouais, très personnelle, je dirais plutôt. Figure-toi que cette carte est la seule, oui, à avoir un 2 rouge. Oh. Franchement, c'est bluffant. Ça t'a plu ? Carrément. Bluffé ? Ah, carrément bluffé, bravo. Voici l'une des possibilités du Vision Deck de Anthony Stan. Je consacrerai, comme je l'ai dit au début, à d'autres vidéos pour vous montrer toutes les possibilités. En attendant, travaillez bien. Brigitte et moi, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.